C'est tout. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de notre Let's Play Co-op 7 Day to Dies avec Lodo Cicapo. Cette fois, on fait la mission du trader pour de vrai, en route. Bon bah, on recommence. Chacun son tour. Aïe. Pardon. Pas grave. Ouh, une roue ou deux ? Une roue. Ok. Ah bah c'est bien pour le vélo. Ou pour la bike. Pièce ouais. D'outils en acier, pièce d'armure militaire. Ok, il y a un monsieur dedans. C'est le mari de la maman qu'on a tout à l'heure. Et toi, t'as de la portée avec ta batte. J'y vais. Voilà. T'as réussi à me mettre un petit coup de batte alors que j'étais quand même vachement loin. Le swing large. Oh, on avait raté un coffre tout à l'heure qui était planqué là-haut. Je l'avais pas vu. Ah, t'es tu. Quoi, un sac? Ouais. Pas raté grand-chose. Où ça? Il okay. Est en haut quand tu montes les escaliers, regarde, aux étagères. Ah oui. Ça, c'est déjà vide. Ah, mais c'est. L'audace, c'est un ninja. Quoi? C'est un ninja, toi, team ninja mon coffre tout à l'heure et dis que... si... ah, Lodos, je suis juste derrière. Non, moi j'ai rusé tout à l'heure. Non, non, t'as ninja, t'as pas rusé. J'ai attendu que tu donnes les derniers coups pour appuyer sur eux. Tire à l'arc pour rôdeur. Et ah. Matraque électrique. Ah, bateau point niveau 4 et combat urbain volume 2. Waouh. Si tu restes devant la porte, je vais te taper. Ah, j'ai batte électrique, matraque électrique, ah. Un deuxième. Qui veut? Ah bien, tu peux. Bah vas-y, donne. Vas-y. À mes pieds. Ça les paralyse, c'est bien ça. Enfin, c'est à prendre. Je donne le premier coup. Recule. J'y vais si vous voulez. Ouais, je me suis pris une baffe. Qui tape quelque part là. Ah, il y en a un sur le balcon. Il me reste plus que 30 PV par contre. Oula. Et gaffe derrière Elru. Derrière toi Elru. Elru. Oui. Derrière. Oh. Ça va? Je t'ai touché? Ah ouais, ça va. Un petit peu. Bah, je suis désolé. T'inquiète. Brésus 25 PV. Je suis obligé d'utiliser mon bandage, hein, mais pas à chier. Je t'ai fait descendre à combien? 25. Ah d'accord, oui. Okay. T'avais oublié un évier, Capou. J'entends encore quelqu'un marcher. Bah là-haut, dans la pièce de loot. Ah, il y a encore une... Oh. Il y a encore une squelette. C'était où ça? Viens d'où? Ah tiens, il y a encore un sac caché là-haut. On va pas récupérer le coffre hein, d'ailleurs. Encore un truc caché là-haut. Je sais pas où il est le coffre, moi je l'ai pas sur... Je pense que c'est Lodos qui sait où il est. Ah non, là aussi hein. Il est en dessous, il aurait chaussé apparemment. Bon attends, on va finir ça les gars. Oh, il y a un truc par là. Il est pas dessus. Recule. Oh, je freeze. Ok. Pourquoi je freeze toutes les 5 minutes comme ça? Je sais pas du tout. Une hache level 5. Et du monde là qui tape pas. Tant que ça tape pas à côté de moi parce que là je suis freezé. Ah, j'ai modification de radiation pour les tourelles auto. Ah, et jambier rusty niveau 4. C'est bien ça, c'est très bien ça. Ouais. Il y a du monde qui tape en bas là. Ouais, vous pouvez descendre voir parce que moi je suis sur le balcon là et je suis frisé. Je sais pas où vous êtes. Oh là là, non mais en fait je pensais que vous ne m'aviez pas entendu du tout. Du coup je me dis merde, mais je reco, je suis en train de mourir. Genre juste, j'ai reco, ça m'a fait vous êtes mort. Ouais, j'ai essayé, mais ils étaient 4-5 sur toi et ils voulaient pas me prendre en aggro jusqu'à temps que tu meurs, en fait.
bon. La quête, tu l'as toujours? A priori, je sais pas. Ouais, on va voir. Là, vous êtes éloigné là. Du coup, peut-être qu'on l'a vu. Bah moi, je l'ai ramassé. C'était au-dessus du frigo, en fait. Trouver les provisions de la rivière Blanche. Oups. J'arrive pas à monter, moi. Attention, il y a un mec. Là, capot, il y avait un mec dedans. Ah putain, je suis pas recule, recule et rue. C'est bon. C'est mort ? Ouais. Ah, au-dessus du frigo, ok. Y a rien. J'ai retourné voir le marchand. Ouais, c'est Capot qui l'a pris. Ouais, mais c'est. Ouais, mais normalement, on en a un chacun. À 9... Ah non, 9 mètres. Ah non, il n'est pas là. Reprenez la bonne quête, non ? 9 mètres, j'arrive elle pas est où la quête ? Elle est où la quête ? Récupération rang 1 ? Moi, ça doit être en haut, je pense, ou en bas. Attends, je vais descendre. Bah, normalement, on a la même sacoche. Hein. Non, c'est elle est faite. 2 mètres, 4 mètres, 3 mètres. Je vois pas où c'est. Récupération rang 1, moi, je suis là-haut, moi. Elle est là, moi. Je l'ai trouvé. T'as pas le petit logo de la petite sacoche orange ou jaune sur ton. Des bêtises, je l'ai pas trouvé. Moi, non. Je ne l'ai pas. Boutonne, ouais. Ah, non. Parce que t'avais accepté à la quête, en fait. Ah! Ah, tu l'avais pas accepté. Effectivement. Moi, j'avais pas accepté. Je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous. Donc, du coup, t'as rien? Du coup, je vois rien. Ah merde. Ah, c'est bon, moi, il est dans la salle de bain, la sacoche. Je suis à 6% d'infection. Tiens. Oh, 6. Bah, il va falloir que tu meurs parce avant. Que. Allez le dire avant, ouais, je t'aurais donné un miel. Du coup, vous avez tout fini là-haut ? Comment ça s'est passé ? Ouais. Oui, on a tout fini et je pense que dès qu'il a looté la sacoche, et la horde est arrivée en fait. Oui. Ah, et tu peux pas la refaire la quête, toi, Eldru ? Non, bah non, en fait, comme je l'avais pas accepté comme un couillon. Ah. Attends. Je le loot déjà. Tiens, Capot, plastron au niveau 4. Pas plastron, mais. Non, mais c'était gros. Ah oui, il est là. Au fameux jambière. Tu as des jambières, Eldru ? Je crois, oui. Ouais. J'ai des jambières niveau 4. C'est dommage ce qui s'est passé là. T'as pas été déco, ça a fait quoi en fait ? Hein ? T'avais perdu ta connexion ? Non, non, ça me. Genre juste, j'avais le jeu qui était complètement frisé. Je sais pas pourquoi. Et on t'entendait plus parler du coup. Même sur Discord, on t'entendait plus. Mais au bout d'un moment, vous m'entendiez plus, mais au début, vous m'entendiez. Au tout début, quand j'ai dit « Ah, je refrise !» Ouais, ça, on m'a entendu. Ah oui. Et après, il y a l'autre qui est arrivé. Ok, je me suis blindé avec ce qu'il y avait là-dedans. Je récupère le reste. Ça s'est vidé, c'est bon, normalement. Il n'y a plus rien. Bon, on va au marchand. T'as perdu un petit peu d'XP, du coup. Ouais, mais rien de méchant. Vous allez où, là ? Chez le marchand. Par contre, je suis bien, bien chargé, donc je pense que je vais aller direct à la maison. Ok. Ok. Ah, tiens, il y a un tronc, là, Capot. Ouais, mais s'il est au-delà des 5%, il faudrait en trouver deux. J'en ai deux, en fait. Normalement. Il faudrait surtout une j'ai tellement faim que ma stam remonte plus. Bon, au moins, j'ai plus faim, plus soif. C'est un avantage, toi. Moi, j'ai encore très, très faim. J'ai toujours rien à manger. Je suis en train de mourir littéralement de faim, moi. Oh non, il y a un nid. Ah non, il est vide. Ouais. C'est bon. À la rigueur, il faudrait me tuer. Mais... Je valide la quête et puis après, vous me tuez. Hein. Eh ben, bonne nuit, Sabdam.
Bonne nuit, Sab. Salut, Sab. Alors, toi, tu vas bien gentiment rester sur la route pendant que je rentre à la maison, s'il te plaît. Alors, par contre, ma clé à molette niveau 1, elle commence à être... Non, bah ça fatigue vite. J'ai fait tout le tour de chez le marchand, j'ai pas montré. Et puis moi, je t'ai suivi comme un... On aura fait le tour pour vérifier autour de chez le marchand si tout allait bien. Et est-ce que tout va bien chez le marchand? Ouais, apparemment, ouais. Ouh, j'ai récupéré une masse en fer. Ah bah oui, c'est toi qui l'avais chopé tout à l'heure. Oui. Alors, faudra clairement refaire une modification de frein de bouche ou une modification de lame en dents de scie. Modification de quoi ? Alors, j'ai soit une modification de frein de bouche, soit une modification de lame en dents de scie. En fait, j'arrive pas à comprendre le premier. Je vais comprendre. Modification de frein de bouche pour les pistolets. Ah ! Moi, j'aurais dit frein de bouche, mais comme tu veux. Ouais. Alors, moi, j'ai soit des munitions de 44 Magnum, ou soit... Ça réduit le recul seulement. Modification de fendeur. Je crois que je vais prendre la modification de fendeur. Ouais, sur la hache. Est-ce que je pose ça? Où est-ce que j'avais foutu le... J'avais un kit de réparation. Oui, il est là. À tes souhaits. Excusez-moi. Oups. Alors normalement, j'avais quand même un point de compétence dispo que je devrais pouvoir mettre dans mécanicien. Et si tu veux que je prenne comme job, Elru. Qu'est-ce qu'il y a de dispo? Bah, j'ai 5 points en stock, donc... Tu vois ce que ah, tu veux, je... Non, bah, fais-toi un peu plaisir, hein, ce qui te donne envie aussi. Oh, peu importe, après, c'est histoire qu'on se dispatche un petit peu les jobs en attendant d'avoir tous les points. Bah, quand même, prends quand même plutôt du loot et ce genre de truc en priorité. Pourquoi je prends une pierre? Ouais, je pourrais augmenter le loot au pire des cas. Sinon... Et ça se fait à l'établi. Donc il faut faire un établi d'abord. Et bien sûr. Établi. Ça bouffe une clé à molette de faire un établi. Et ça bouffe un arrache-clou de faire un établi. Il faut 25 de fer forgé. Il n'y avait pas un établi à côté. Il était... Mais je sais plus s'il était bon ou pas. Non, c'est un vieil établi détruit. Donc il faut que je fasse un arrache-clou. Sont mes outils, arrache-clou. Fer forgé 18, 3 de cuir et 3 rubans adhésifs. Faudrait faire de la colle, là, un paquet de colle. Je pense que ça serait ça le plus important. De la colle, du ruban adhésif, je veux dire. Du coup, oui, de la colle. Donc, choper des os. Content parce que les modifications de rang dans le psy, je sais pas où la mettre. Ça doit être sur une machette. Oui. Par contre, ouais, quelqu'un veut me tuer. Attends, je vais rentrer à la maison puis vous allez me tuer parce qu'elle a mon affection, elle est déjà 7-8. Je suis en train de crever de faim. Tu veux pas sauter d'un immeuble? Ce sera plus rapide. Non, faut que tu rentres à la maison, que tu vides ton loot. Ruban adhésif. Si on te tue, je suis pas sûr qu'on prenne de l'XP, t'es un ami.
Tu peux me mettre en ennemi le temps de le temps. De... Le temps faire de... forger 18. Est-ce qu'il reste il ou le faire forger? Pas assez de faire forger. J'ai 49 fers seulement à faire fondre, ça va pas être aidé, je pense. J'en ai mis avant de partir du fer à fondre. J'en avais pas mis, là je viens de lancer du fer forgé. Il y avait de quoi en faire un paquet. Ok, je peux faire l'arrache-clou. Il faut 25 de fer forgé, une pièce mécanique de plus. J'arrive à la maison. Est-ce que c'est vous qui avez les pièces mécaniques ? Ou est-ce que je les ai rangées quelque part ? J'ai une pièce électrique sur moi, c'est tout. Et le moteur. J'ai trois pièces d'outils en acier et une pièce d'outils motorisée. Ok, donc il faut que j'aille récupérer de la voiture. Ceci dit, je les avais pas vidées les voitures. Ah yes. Et ma clé à molette est naze. Faudrait faire une échelle de ce côté-là aussi. Qui c'est qui parle ? Ah, ça doit être un écho de mon micro, désolé. Ah, marché. D'accord. Je me disais, c'est quoi ça ? Il me manque juste l'arrache-clou et 25 de fer forgé. Et je peux nous faire l'établi. Et dessus, on pourra faire des vélos. Ah, des radiateurs. Ouh là, c'est ça. Est-ce que je peux mettre autre chose ? Du laiton. Le laiton, on peut le poser là. Du charbon. Le fer, je le mets directement dans la forge. Ah ben. Ouais, tu peux y aller. J'ai du plomb, de la terre pavée. Alors la clé à molette, elle, il faut 18 fer forgé, 6 pièces mécaniques. Ok, donc il faut que je fasse encore des pièces mécaniques avant de faire le. Avant de faire l'établi. Sinon, ça sera pas constructif. Tu me finis ? Hein ? Tu me finis ? Je te ? Tu me finis, tu me tues, tu m'assassines. Ah, pardon. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut de toute façon pour m'enlever l'infection. C'est pas viable comme ça. J'ai essayé de faire rapide et propre. Mon écran dit pas la même chose, il y a du sang partout. Je crois que je t'ai euthanasié. On va faire mal. Alors c'est quoi mes effets du coup ? Ah mais d'accord, ah oui. Je vais gagner un peu moins d'XP. Ah oui, j'ai même de l'XP. J'ai une dette d'XP envers le jeu. C'est ça. Donc du coup, faites quoi là ? 16h56. Alors il faudrait choper du fer, éventuellement. C'était par où le fer ? Je mets le fer que j'avais. C'est où qu'on avait croisé t'avais mis ça comme logo, d'accord. Moi, je vais commencer à démonter les machines à laver pour récupérer des pièces mécaniques et du fer et des autres trucs au passage. Parce que de toute façon, il faudrait bien en enlever un niveau. Ça, c'est pas structurel. Non, c'est juste pour faire le jeu.
Qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux pas en faire encore ? Bah si on a suffisamment de fer, on pourra en faire. Ouais. Ça, ça va être utile. En gros, là, j'essaie de faire l'établi et... Mais ouais, je pourrais faire une pioche en fer. Ça va nous aider aussi. Je vais essayer d'aligner. Et bah, je vais rembourser ma dette d'XP et travailler en ligne. C'est combien de fer pour un fer forgé ? 12. Oui, bah oui. Ça, ce sont les toilettes. De la batterie de voiture, pile électrique. Faudrait que je commette tout ce qui est pièces mécaniques et voitures quelque part aussi. C'est quoi tout à droite le coffre ? Je l'ai mis. Bah, c'est les trucs d'armes et j'ai commencé à mettre les trucs moteurs, pièces mécaniques avec en fait. Ah ok. Super. J'ai commencé à ranger les coffres là-bas pour pièces faire électriques, ça. Batterie de voiture, les pièces mécaniques pures, je vais me les garder sur moi. L'outil de câblage, ça sera pour plus tard. Petit tuyau, ressort. Je mets petit tuyau et ressort dedans également. Et donc, si on veut... une pioche en fer, il me manque juste du ruban adhésif. Donc il doit juste manquer de l'eau qui est là-dedans pour faire de la colle. Il m'a rendu les bocaux. Ah, si tu fabriques quelque chose avec de l'eau dans un bocal, qu'elle soit propre ou sale, ça consomme le bocal aussi. Toujours en train de mourir de faim et de soif, quoi, de faim surtout. Je me suis fait consommer mon bocal. Oui. On a un peu d'essence. Ah, il manque de la toile. Ah, mais il y avait de la colle là aussi. Toile, 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 toile. On va en faire 8 déjà. Et donc.
qui lui manque? Ah oui, juste le cuir. Le cuir. Un capot? Ouais, c'est moi. J'ai ta pioche dans bientôt. Si je trouve le cuir. Ah, t'as pris le talent pour piocher encore? Non, je vais le prendre. Je vais encore prendre aussi, autant avoir la pioche. Mais je prendrai le talon lui-même. Pour récolter plus et puis le point pour récolter plus vite aussi. Donc une pioche prête dans 3 minutes 30. Je vais peut-être prendre armure légère alors. Sinon, je pense que jour 6, on commencera à préparer un peu les défenses. Il n'y a rien là-dedans. Et du coup, pour l'établi, ah ça veut pas, établi, il me manque, qu'est-ce qui me manque? Non, je peux fabriquer un établi, mais ça va me bouffer ma clé à molette. Ça me la bouffe, oui, juste il en faut une. Après l'établi, est-ce que c'est le plus bien? 18. Pour les vélos, c'est nécessaire. Ah ouais. Okay. Ouais, si je peux. Ouais, c'est ça, ça me l'a bouffé. Donc... j'en refais. Du fer forgé pour faire un arrache-clou, éventuellement, si on a besoin. Et combien il manque pour une pioche? Encore 16 de fer forgé pour une pioche. Pour avoir une deuxième. Et déjà, la première n'est pas sortie. Vous êtes où? Vous êtes tous les deux ensemble? Non, l'audace. Non, je suis en dessous. Ok. T'es où? Au-dessus. T'es parti sur quel capot du coup de mine? La mine qu'on avait posée tout à l'heure. Ok. Lodos, où est-ce que t'avais trouvé du... Donc c'était capot qui avait trouvé à côté de la maison du fer? Oui, la maison qu'on faisait tout à l'heure, là, qui était à moitié brûlée, je crois qu'il y en avait juste à côté. C'est quoi? Du fer. C'est possible, non. Ça, c'est du rocher. Il va falloir du caoutchouc pour faire des pneus. Non, c'est polymère. Ça, c'était du fer? Non, ça, c'est du caillou. Ouais. Je crois que c'était de ce côté... J'aurais dû le marquer tout à l'heure. Alors, ce qui pourrait être intéressant pour des futurs points, c'est de commencer à aller vers la partie fermier. Ah oui, ce serait bien ça, de pouvoir planter. Ah, donc, mince. Non, mais ça va, des points... J'en ai pas de dispo, j'allais dire, peut-être qu'il m'en reste même un. Toi, par contre.
Ah, je peux pas te réparer tout de suite. Mais le prochain point, c'est faire le minage que j'ai. Via la campagne. Bah ok, je passerai là-dessus au prochain point. Alors, t'es où, Capot ? T'es par là. Je suis dans la maison. Ah, t'as fait un petit. Est-ce qu'il y a de la place pour deux ? Oui, tu me donnes pas de fou. Il faut juste peut-être agrandir un peu. Ah, tu viens de me taper. Ah, pardon. Ça, c'est du caillou. Ça, c'est de la terre. Je te tape pas, là. Pas casser la l'échelle. C'est fatigant ça. Et juste à côté de la ferme en fait, là où il y a le cochon. D'accord. Va falloir trop tarder à rentrer, hein, Capot. Ouais. C'est surtout du. Ah là, il y en a. J'ai 700 fer. 700, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal. J'ai de la pierre surtout. Bon, 21h26, on va y aller. Ouais, si j'arrive à remonter. Donc, j'ai fait une pioche. Bon, ça va bien ça. Oui. Et je devrais pouvoir en faire une deuxième bientôt. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos pouces bleus et vos commentaires qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.